je pense que c'est ton dodge parce que Vinny a perdu contre Roger. Ça se peut, ouais. Mais en tout cas, bref, ils se sont pas pognés. Puis, ça vient de commencer à s'échanger les coups. Je pense, hein, je vais vérifier. Tu sais, je vais poser une colle. Je vais aller voir. Est-ce que les cycles 5 et 6 sont posés de croiser à mort de tête? Parce que je suis pas sûr que c'est le cas. On a tellement qu'un cycle 5 et un cycle 6 dans une bracket qui peut croiser. Je pense pas. Non, indeed, un seed 5 et un seed 6, ça se croise pas. Ça aura du bord devant okay, différentes brackets, okay. Mais c'est pas jamais. Aïe. Ouais, ouais. Non, blue, red, there you go. Non, là. The winner's round 2. Francis calling on him, sir. Bonjour, on a Fly Skiller aussi. Je sais pas si je vais avoir un cool commentateur qui va joindre à moi. Mais sinon, ouais, merci aux Français d'être passés. Et merci à la gueule qui a cette VM de prendre le relais comme il dit. Ok, ouais, qu'importe Wax. Si tu as un petit historique entre les deux, qu'importe, je pense qu'il y a un petit edge sur Wax. Mais c'est pas impossible pour Wax de gagner, non. Je pense que. Oh, le dernier set en T2, je suis pas sûr si Wax a gagné. Je sais pas s'il y en a eu un autre avant, mais je sais que Wax a gagné un set récemment de 3-2 au 212e weekly, si je me trompe pas. Ah ouais, fait qu'as-tu gagné le dernier? Oh, zut! Firefox, qui est un petit peu. Unfortunate. Oh, les Shine Spike. Oh, les 3 Shine Spike. Shine Spike, Shine Spike, Shine Spike. N'importe, fait juste cleaner la stock comme ça. Avec des Shine Spike. Un truc qui vient pas des excellents passes, c'est sortir un shine sur la première frame de son live fini. Et ça lui donne une option défensive vraiment, vraiment puissante d'être difficile à punir. Oui, la France est encore dans le chat, il y en a encore qui perdent. No way! No way! Ok, beau back air. La France est de retour. Alright, je suis quand même content. Good! Donc là, on est arrivé ici quand même. Close. Ok, moi j'arrive dans le front. Nice, bon. Très belle game, très belle upper chase de la part de c'est vraiment cool. Bonjour Gwick, bienvenue au Canada. Heureusement, avec l'avantage de la chute, t'as pas besoin de passer par les douanes pour venir checker notre contenu. Puis en plus, c'est gratuit. Fait que. C'est du contenu gratuit sans douane. C'est insane pour vrai, là. Ouais. Imagine s'ils mettaient genre un Border Patrol sur le site de Twitch. Ce serait tellement drôle. Ah oui. Ils viennent te demander, hey, c'est quoi que tu viens faire ici? J'ai checké un match. Ah, la nationalité. Okay. Ah, parfait, encore mieux. Ok, bon, déjà, dash grab de la porte de quoi? Donc, importe, montant déjà, ouais, c'est à 24%. Vous savez, en fait, le match entre humain et animal, se lutter contre un animal, c'est illégal dans notre pays. Fait qu'on on a techniquement un fight club. Ah, oh, peu... oh la bombe est sortie, puis il y a juste. J'essaie de bomber le box, c'est encore moins grand qu'il utilise les navets. Il a juste lancé la bombe par terre. Parfait. You know what? Il a dit, moi la chance j'en ai beaucoup. Nice là. Oh, on a essayé de faire le ledge grab, c'est pour enlever le recovery de K-pop, mais. Ah, oh, juste dans l'image, je pense. Je pense ici on a une belle domination fan sur le stage de Wax hein, pour l'instant. Mon temps qui est à 114%. Très beau pourcentage pour l'instant. On a assez beau parry pour sur le nerf de Wax par K-pop. K-pop essaie de peut-être. Assez félin qu'il est, c'est de remonter ce pourcentage-là pour essayer d'avoir un avantage, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup de gifles, ça va monter. Il n'y a pas dans une situation assez inconfortable, dans ça. On peut voir. Et déjà, Wax qui enlève une autre des stocks ici. Et il reprend donc ce lead. Le navet était parfait, mon dieu! Pour de vrai, Peach, c'est. Quand t'es chanceux avec, c'est hype.
No Matter, ça sont super 3 stocks, tu sais, High Paris, c'est pas d'un Stitch. Puis un Saturn, pour vrai, là. Et déjà là. Parlant de navet. Ce navet va ressortir des navets sur un manque de recovery, ou pas vraiment, parce que. Qu'importe, c'est bien adapté à la situation. C'est quand même très bien. Ouais, je suis. Je peux dans ma tête le Fox que je connais pas, mais non, c'est FOD, c'est Fox. Fox très bien. Il a tout gêné. Mais je veux dire, quand même, c'est un bon stage très balancé. Alors, de toute façon, balancé, un bon petit contrôle. Je veux dire, c'est un beau petit mélange, ça se cuisine bien. Donc, Oh mon dieu, le... je sais pas à quel point il y a Smash DI vers le haut, mais il a volé sa plateforme. En fait, le premier est dans Smash Bros. Comment? Il y a Smash DI qui est un malade. Ouais, je sais, mais ok, c'est intéressant. Je peux y penser là. C'est Smash DI. Oui. Je pense. En tout cas, les deux, on a pas mal concentré ici. C'est un énorme jeu de concentration entre Princesse et Renard. Juste à Smash, hein. Juste à Smash qu'on voit ce genre de scénario-là. Beau titre dans Smash ici, mettant K-pop en désavantage. Et enfin, après tant d'essais sur le ledge grab, Wax réussit enfin à prendre cette fameuse stock de cette méthode. Trois roulades de suite, mon dieu. Mais écoute, c'est un chiffre chanceux, fait que je veux dire, si ça fonctionne à 3, parfait. On arrive. Eh, oui, voilà. Beau. Du recovery, mais. Denied! C'est une option que j'ai jamais vue de ma vie, ça. Denied! C'est une excellente idée. Il y a des gens dans ton chaîne, il y a juste jump out et il y a re-chaîne. C'est ça, c'est. I mean, je veux dire. C'est parfait! Ben oui! C'est comme tu rentres dans un club et t'es pas assez bien habillé, fait qu'on ferme la porte dessus. C'est la même chose. Parfait. Un okay, petit nice. Smash, un petit coup de jupe. On essaie encore de faire le même kill. Oh mon dieu, ça mange le shield, cet dans Smash là. Un petit roll. Rerolling, we hidden. C'est pas shield fini. Pressure. C'est clairement pas fini, Kimport peut encore hit des shine fights. C'est clairement pas fini pour Kimport. Il y a encore un ou deux tours dans son sac après sa game, c'est sûr. Il y a peut-être un beau snipe dans tout le temps. Ouh! Ok, on commence à aller chercher. Ah, et ça va peut-être. Ouais, ça va coûter la. Oh, mais ça va. Non. Ok, bon, il a dit je vais essayer le fouet, je suis tanné. Il m'a juste coupé ma stock puis recommencer l'autre pourcentage que j'ai fait pour finir la game. Dans Smash, il était et voilà, there it is. Excusez. Il a peut-être perdu une stock, mais il a gagné la game. Lose the battle, but not the war. J'adore le counter-pick, mais ce sera pas facile. Wax a vraiment pris le pick. C'est ça, c'est pas qu'importe le pseudo, c'est qu'importe le ledge guard tant que je viens de kill. Les Français puis leur corps sont insane. Ils se filaient trop. Honnêtement, same, jouerais Peach, je me filerais quand même assez bien. C'est un personnage que genre toujours, tu es comme, yeah, je sais qu'est-ce que je fais, je vais faire n'importe quoi puis ça look cool pareil. Oh oui. Bon, j'imagine que le ban c'était Yoshi Story, mais ça va être sûr qu'on fait. Ah non, sur Stadium, ça va être un basically un FOD 2.0 là. Ah, quand même, beau, belle adaptation, t'en t'importe. Un petit coup dans les airs, montant Wax dans les étoiles, mais on a plusieurs étoiles de la communauté. Wax, on attend une d'entre elles, hein, quand même, Charlotte au pire en arrière, les étoiles de la communauté. On a plusieurs étoiles montantes. Mais les étoiles filantes, ça revient ça aussi, hein. Faites pas attention là-dessus, hein. Comme le lit que K-pop pourrait jeter comme une étoile filante, ça pourrait rechuter en bas et voici, et bien voilà, Encore un autre ledge grab kill de la part de Wax, c'est quand même une très belle adaptation suite à cette game 2 qu'on arrive sur la game 3 quand même très bien joué. Un petit la 2 combo, pas tant grave pour K-pop. Il s'amuse dans les airs, ça joue au volleyball pour descendre. Wax à 2 vies encore dans ce match là. Nice grab. Hey mon dieu, sérieux c'est... Oh, les deux hits dans Smash. C'est quoi? C'est la parade ici pour Fox, sérieux là, ça joue pis ça jongle pas mal. Si on avait un cours de cirque là, je pense que qu'importe, on aurait pris quelques-uns. Ah, ouais. Du match de la vie. Justement, j'ai jamais vu ça. Avec deux mains, mais pas avec deux. Avec ses oh, deux. Pour faire, je trouve. Oh, wow, très bel positionnement par Wax ici. On a pour Oh, je suis pris de l'imparer. Oh, je joue au golf! Je pense que le fait qu'il aurait que j'aurais qu'une fois que son S-Mash allait empêcher de me frapper par l'attaque avec un contre-là, mais je pense que ça l'a sauvé. On whiff le B, le Smash, je veux dire. Et on mange un si simple punish par Wax. Quand même, très habitué maintenant pour faire des adaptations. Okay. Landing up air, ça met Wax encore en kill percentage ici. Oh, je pense qu'il a gobé quelque chose, non, il a rien gobé. Je pense qu'il a peut-être mangé un sour spot là-dessus. Oh! Oh, on essaie de jab up smash. Intéressant comme combinaison, ça n'a pas fonctionné. Il est dans Smash, ça va te tuer à Je pense que oui. Ben, ça a mis le setup pour le kill. Ça n'a pas tout été dans, ça a mis le setup pour le kill. Le petit éhanché de Wax va justement enlever ce stock-là à K-pop. C'est quand même un très bon lead pareil, on s'entend. 130% pour Peach, c'est très dangereux et justement, ça va enlever ce stock. Peut-être jamais à zéro, ça va permettre à Wax d'avoir moins de knockback qui veut lui donner plus de clutch factor. C'est dangereux. Mais ça peut être la game.
Ça peut être même le 7 avec cette vie-là. Quand même, un petit laser, on va essayer de prendre le grab. Il porte un bon. Un avance de plus en plus confortable en ce moment. Donc, gros camping, on se voit dans l'ultimate en ce moment. Oh! On est pour la TGIF! Ça fonctionne pas! Shine laser! Et voilà!